Amis internautes d'ivoiretv.net, je vous dis bonjour, je suis ravi de vous retrouver. À 23 ans de carrière, il reste l'un des meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire. Découvrons-les ensemble. Bonjour Tao. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Oh, ça va très bien. Alors, peux-tu te présenter à tous nos internautes qui nous suivent? Je suis tout simplement Bernard Tao, à l'état civil. Tao le sapeur pour les fans. Je suis ivoirien, de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Et puis, je suis comédien, humoriste, par la foi des choses. C'est tout. Alors, comment tu as commencé dans la comédie? D'abord, j'étais couturier. Ah bon? Oui, mais avant la couture, à l'école primaire, on s'essayait au théâtre. Mm-hmm. Et ensuite, arrivé un moment où je devais entrer dans la vie active, après plusieurs tentatives au concours administratif, je suis entré à l'école de couture. Et je suis sorti, j'ai commencé à exercer. Quand mon voisin, qui était un couturier aussi, disparaissait chaque 14 heures. Et je lui ai posé une fois la question, mais pourquoi il était absent? Il dit non, qu'il partait à des répétitions de théâtre. Il dit bon, mais avec qui? Il a dit à Sandé Fargas. Oh, j'admirais beaucoup à Sandé Fargas. Là, j'ai dit bon, moi aussi, je vais faire du théâtre. Et c'est comme ça, j'ai commencé à faire le théâtre. Ensuite, quand j'ai quitté Assane Fargas, j'avais un ami que j'ai croisé au Zassa Théâtre d'Assane Fargas, qui était Yao Hilaire, Médès Waraba. Et lui et moi, en 93, on s'est mis ensemble pour créer notre propre compagnie, qu'on appelait Eyolé Théâtre de Côte d'Ivoire. Et qui, ensuite, après Eyolé Théâtre, on s'est adossé à notre maître Feu Niagoran Poké pour une formation griotique. Et puis après, en 96, la télévision ivoirienne, j'ai fait un tour à la télévision ivoirienne, à l'émission Dimanche Passion, qui était animée en ce temps-là, et par Barthélemy Nabo. Barthélemy Nabo. Voilà. Mm-hmm. Voilà, et c'est comme ça. Et après, il y a eu le duo Zumbo et Tao. C'est après, juste après l'émission. Dimanche Passion. Au cours de l'émission Dimanche Passion que j'ai rencontré Zongo. Zongo, pardon. Mm-hmm. Et pourquoi, comment nous nous sommes croisés? Voilà. On était les deux plus petits des deux groupes. Lui, il évoluait à, comment on appelle sa compagnie, le Jelly Théâtre de Bouc de Fer. Moi, j'étais dans la famille Bébé Gâté de Tandé. Mm-hmm. Ou comment on l'appelle dans ma famille, on l'appelle Tesson. Mm-hmm. Voilà. Et c'est nous, on envoyait tout le temps. Mais on avait souvent cette petite chance de sortir ensemble. On va à des petites cérémonies de baptême. Et quand on a vu que la complicité de nos deux jeux pouvait donner quelque chose de bon, mm-hmm. donc on s'est mis au travail et on a commencé à bosser. Et en 99, on a sorti notre première œuvre discographique qu'on a appelée Notre Temps. Pas Notre Temps pour nous montrer, mais Notre Temps, en ce temps-là, le temps était difficile pour certains Ivoiriens. Et comme nous sommes les porte-parole des non-voix, donc nous avons baptisé notre album Notre Temps. Alors revenons à toi Tao, comment t'es venue l'idée de bégaiement, ta manière de t'exprimer? Oh, c'était dans mes parcours dans les différentes compagnies. J'étais après Eyolé, après Assane Fargas, après Eyolé, après Feu Niangoran Poké, après son décès, je me suis retrouvé dans la compagnie Gbebou de Loi Diomandé. Celle-là, j'étais distribué, j'avais un rôle que je devais jouer, le général Zakba. Mais en dehors de ça, il y avait un autre rôle qui flottait. Donc, le metteur en scène lui a demandé qui pouvait vraiment jouer ce rôle-là. Et c'était l'un des représentants de l'opposition, mais il était bec. Les autres ont essayé, ça n'a pas marché. Quand j'ai essayé, ça a marché, puis j'y suis resté. Et quand je suis allé à la télévision, 96, j'ai tenté la même chose. Barthélemy Nabo a apprécié, et puis j'y suis resté. Mais comment les becs de la société vous voient-ils?
et sont vraiment très contents, contrairement à ce que les gens disent. Qu'est-ce que les gens disent? Certains disent que même, pourquoi imiter des handicapés? Or, les handicapés m'ont déjà adressé un courrier pour que je sois leur parrain. Vous savez qu'il y a une association des handicapés BEC de Côte d'Ivoire. Voilà. Ceux-là m'ont déjà apporté un courrier. Ils sont contents que je les représente partout où je passe. En fait, quand j'imite les BEC, ce n'est pas pour me moquer des BEC. C'est pour dire simplement qu'à tout niveau de la société, quel que soit notre handicap, on peut exercer partout, on peut accéder à des postes n'importe où. Donc, le fait d'être BEC ne doit pas dépendre sur la personnalité de l'être humain. On est BEC, c'est vrai, c'est la nature qui a voulu, mais il faut mettre ça vraiment loin de toi et puis travailler, faire comme tout le monde, s'exprimer comme tout le monde, te mettre au travail comme tout le monde, et parler dans tous les milieux sans être inquiété, sans se faire beaucoup d'idées. Alors, où est passé ton binôme Zongo? Où est-il? On vous voyait pratiquement tout le temps ensemble dans les spectacles. Aujourd'hui, on vous voit pratiquement seul. Non, on se voit pratiquement tout le temps dans les grands spectacles. Mais et cette collaboration, cette... Oui, on collabore toujours parce que Zongo, à la faveur de la crise post-électorale, enfin, il était déjà à Dakar, mais c'est un monsieur vraiment qui n'aime pas les armes, qui n'aime pas le crépitement des armes. Donc, excusez-moi, depuis Dakar, il n'a pas voulu retourner ici parce que ça tirait beaucoup ici. Vous avez compris. Et ensuite, on avait eu un spectacle à Bamako où nous nous sommes rencontrés. Ben, il a préféré y rester. Aujourd'hui, ça va bien pour lui. Il exerce une chaîne privée malienne et ça va pour lui. Mais nous nous croisons tout le temps. Quand vous êtes toujours en contact, en fait. En contact, on travaille ensemble. Notre dernier spectacle, c'était en mars et à Lomé. Alors, qu'est-ce que tu fais actuellement? Bien. Parle-nous un peu de tes activités. Oui, je suis toujours comédien. De temps en temps, je vais à... Des spectacles ont vu peut-être? Pas de grands spectacles pour le moment. Mais je suis en train de préparer un album que je vais baptiser Bienveillance. Qui va parler de quoi? Il va parler de... C'est à cause de ça que je le baptise Bienveillance. Bienveillance. C'est pour dire à tous ceux qui ont connu la crise ivoirienne depuis 2002. Ça sera quoi? Comédie, chanson, comédie? Chanson, comédie. Ok. Voilà. De parler qui ont connu cette crise-là, c'est seule la bienveillance qui peut amener l'être humain à accepter l'autre. Parce que c'est l'ego de l'homme, le moi de l'homme s'y prime. On peut pas, ça pourra pas nous amener à une paix durable. C'est pour laquelle j'ai baptisé mon album Bienveillance. Il faut être bienveillant. On est bienveillant. Et celui qui est bienveillant, ce n'est pas celui qui est forcément gentil, mais il rend service quand c'est nécessaire. Le bienveillant, c'est celui qui pose des actes. Là, il faut les poser. Un bienveillant, c'est celui qui s'occupe plus des autres que de lui-même. Parce que si vous avez en tête de penser bien des autres, vous oubliez, pour faire du bien aux autres, forcément ce bien-là vous retournera et ça va amener la paix autour de vous. Mais si vous cantonnez sur votre position, c'est moi je suis là, c'est moi j'ai fait ça, c'est moi j'ai produit ça, c'est moi j'ai gagné, ou bien c'est pas, mais je suis comme ça, on ne pourra jamais être heureux dans notre propre vie. Alors justement, en tant qu'artiste comédien, actuellement, la Côte d'Ivoire est dans une phase de réconciliation. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'artiste comédien pour emmener les Ivoiriens à la paix? Bon, en fait, ce n'est pas nous, on a envoyé la crise. Cette crise-là, les Ivoiriens... Non, il faut que je vous dise, les artistes de Côte d'Ivoire ont fait une caravane de réconciliation. Est-ce que vous comprenez? Les artistes ivoiriens, toutes tendances confondues, comédiens, chanteur, peintre, danseur, nous avons fait une caravane de réconciliation que nous avions appelée en ce temps-là les Sions de la paix, dirigée par le président de l'UNACI, Gadji Sélé. Qu'est-ce que les artistes n'ont pas chanté? Qu'est-ce que les artistes n'ont pas dit? Ça n'a pas empêché que les gens
leurs idées noires qu'ils avaient dans leur tête. Mais Tao, c'est ton rôle en tant qu'artiste de oui, je de suis prévenir. D'accord. Mais maintenant, sinon je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Il y a des personnes en tête qui ont les des problèmes. Les Ivoiriens ne se parlent plus. Les Ivoiriens se parlent. Hein. Ça, une la preuve. Et quand vous sortez là, vous voyez les gens se battre dans la rue? Non. Par rapport à la politique? Non. Jamais. Ils sont dans le même bureau. Pourtant, ils sont pas du même bord politique. Ils travaillent ensemble pour le pays. Mais il y a des gens qui sont à la tête qui ont d'autres problèmes. Et ceux-là, s'ils veulent s'entendre, c'est eux qui drainent derrière eux du monde. Donc c'est ceux-là. S'ils s'entendent demain, vous allez voir qu'en bas, là, nous, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? Mais c'est pour vous dire que les artistes, on a trop parlé. On a une réconciliation, là, on a trop parlé de ça. Aujourd'hui, comme c'est notre travail, on va toujours en parler. Mais je voudrais tout simplement vous dire que la paix n'est possible que dans le cœur. Tout à fait. Alors, on revient encore sur cette histoire de crise post-électorale. À l'époque, on vous a traité de milicien. Oui, oui. Tao, milicien, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu. Bon, enfin, aujourd'hui, j'ai voulu faire table rase sur cette histoire. Mais comme vous me on demandez... On va en parler un peu. Parce voilà, que on va en parler. Sinon, ça... Il y a des gens... Vous étiez où d'abord, pendant j'étais, la crise post-électorale? La crise post-électorale, j'étais à Yopougon. J'étais à Yopougon. Et pour quelqu'un qui n'avait... J'ai reçu d'abord, quand j'étais à Yopougon chez moi, j'ai reçu des déplacés d'Abobo. Comme c'était à Abobo, c'était un peu chaud. Mm-hmm. Ceux qui se déplaçaient, j'avais ma famille qui était là-bas. J'ai reçu ma famille pour une petite maison, on n'était plus de 15 personnes. Je n'avais plus d'économie, je n'avais plus rien, il n'avait pratiquement rien. On avait des problèmes pour manger. On était obligé même de demander de l'aide à des voisins, à des amis, un petit demi-kilo de riz par-ci. Et toute la journée, vous buvez de l'eau. On n'a plus l'argent pour sortir même, pour dire qu'on va aller nous réfugier ailleurs où peut-être on peut avoir de quoi manger. On est resté là. Jusqu'à ce que... Un jour, on m'appelle de Bamako pour un spectacle. Et c'est comme ça, j'ai envoyé moi de Dakar, il est descendu à Bamako. Moi d'ici, l'aéroport était fermé, j'ai marché, je suis passé par la rue plutôt, et puis je suis arrivé à Bamako. Je ne me reproche rien, j'ai fini mon spectacle. J'ai envoyé du bon, moi c'est pas la peine, je préfère rester ici parce qu'avec les armes, tout ça là. On venait juste de neutraliser le pouvoir, j'arrive, je vais chez moi. Tout est clean, j'avais mon maquillage, j'étais en train de nettoyer pour que Omega même m'accompagne. Mm-hmm. Et le lendemain, Omega même vient, on s'en va manger, on tourne au petit toit rouge, les gens tombent sous moi. Mm-hmm. J'ai mis d'ici. Moi, mais ça m'a tellement dépassé. Les gens, c'était qui? Des corps habillés? C'était des gens habillés, en tenue, en armes. Bâtard là, toi tu n'as pas. Nous on pensait que tu étais artiste. Oh, tu es musicien. Il dit, mais vous me connaissez où? Oh, mais c'est toi, Tao. Oui, c'est vrai, c'est moi, Tao. Je suis musicien, comment? L'homme qui n'arrivait même pas à manger. Ah! Bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils m'ont frappé. Heureusement pour moi, on m'a déposé au 19e. Et comme le chef qui était là-bas, le commandant qui était là-bas, c'était vraiment un homme sage qui savait. Qui pouvait faire la différence entre un malfaiteur et un homme sain. Quand je suis arrivé, il a dit, mais toi, tu fais quoi ici? Ah, il faut demander aux enfants là. Mm-hmm. C'est eux qui m'ont amené ici. On dit, je suis ministre. Il dit, mais ça veut dire quoi ça? Donc, il m'a posé des questions. Heureusement pour moi, j'avais encore mon ticket de car de Bamako, j'avais ma puce de Bamako, machin. Il dit, je n'étais même pas là. Comment quelqu'un qui n'est pas sur place peut participer à des choses dont vous parlez? C'est comme ça, le monsieur, avec sa grande sagesse, m'a laissé et lui-même m'a déposé à la maison. Il s'appelle Doumbia, le commandant Doumbia. Il est aujourd'hui au CCDO. C'est un monsieur, aujourd'hui, on se rend visite, on se rend beaucoup de services. Quand j'ai besoin de quelque chose, même quand je l'appelle, il me rend ce service. Donc ça veut dire que c'est des gens qui de mauvaises intentions qui ont voulu tenter à ma vie. Voilà, sinon, si c'était le cas, peut-être il serait déjà mort. Mais, vous comme. Vous en vie, grâce à Dieu. Voilà, et comme je ne me reproche rien, j'ai été sauvé.
Alors, donc je dis déjà merci à Doumbia qui a été très sage. Et je le dis toujours, chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je dis toujours au commandant Doumbia. Ouais. Alors tes projets immédiats? Bon, d'abord je suis en studio, j'ai presque fini. Comme je vous l'avais dit, Prêt, tu nous fais signe alors. Mais bien sûr, vous aurez une copie de cette œuvre-là. C'est une œuvre de 4 chansons avec 3 sketchs. Enfin, pas des sketchs parce que je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. C'est une récréation pour moi par rapport au duo Zongo et Tao. Ce petit temps que mon ami soit ailleurs, on n'est pas vraiment ensemble. Je profite de cette petite occasion pour sortir cette œuvre-là. Mais c'est une œuvre qui n'est pas comme, par exemple, les œuvres que vous écoutez où on vient raconter des blagues. Non, moi, je ne suis pas un blagueur. Je suis un comédien et je suis humoriste. L'humour se conçoit et je conçois des textes qu'on joue. Voilà. Donc, j'ai même repris l'un des poèmes de mon maître Mniangoran Porqué. Quand vous allez lire ce poème, vous allez comprendre pourquoi je le fais. Et puis ensuite, des sketchs qui ont un début et une fin qui parlent un peu des tares de notre société, de machin. Voilà, c'est ça. Alors, mon rôle, c'est ça. Alors l'entretien est pratiquement terminé. Ton dernier mot? Ah bon, c'est fini quand même là? Ouais. Ah, déjà, on n'a même pas encore commencé, c'est fini. Ok, je voudrais dire merci à tous ceux qui continuent d'aimer Tao. Merci d'abord à Ivoire TV.net, IvoireTV.net pour l'occasion merci que vous me donnez pour parler de moi, pour parler de ma carrière. Mille fois merci. Et puis, merci à des amis comme Ilé Yao, comme Trazier. C'est un ami vraiment qui essaie de porter, de donner des conseils ou de lui prêter main forte quand il le faut, et c'est M. Trazier. Et puis, dire que, comme vous avez parlé de la réconciliation, comme je le dis, je le répète, les Ivoiriens n'ont pas trop de problèmes avec eux-mêmes. Il faudrait que les politiques s'asseyent pour discuter. Comme eux-mêmes, ils refusent de s'asseoir pour discuter, c'est ça qui nous fatigue. Ceux qui ont pour métier la politique, il faut que ces gens-là s'asseyent pour discuter. Ok, alors Tao, tu vas nous faire un petit quelque chose? Moi, c'est Tao le Hesa-peur. Je vous invite à suivre Ivoire.net, la chaîne de Hesi-Ivoirien. De la Hedias, Hedias, Alors, cher ami internaute d'Ivoire TV.net, c'était l'entretien accordé à Tao, artiste humoriste vivant en Côte d'Ivoire. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir.